Salut Ébouze. Peut-on être blanc et souffrir du racisme? Si vous n'aviez pas remarqué, en raison de votre antiracisme forcené qui fait que vous ne voyez pas les couleurs et pour cela vous avez toute mon admiration, eh bien je suis blanc. Particulièrement blanc. Un beau spécimen. En tant que blanc, puis-je dire que je ne suis pas concerné par le racisme? Une partie de l'expression du racisme, à laquelle il ne faut pas le réduire, mais ça en fait quand même une bonne partie, c'est la stratégie du bouc émissaire. Il y a un problème dans la société, on va dire, c'est la faute des juifs. C'est original. Trouvez autre chose, je sais pas, les bretons. Pendant qu'on parle des juifs, on parle pas des bretons, hein, posez-vous des questions. Quoi qu'il en soit, le fait est que la mort de Jésus, la peste, l'économie, le Covid, les réseaux pédosatanistes, le djihad, les arabes et les révolutions de gauche, c'est pas la faute des juifs. Bon, normalement je vous apprends rien, hein. Bon, pendant qu'on s'en prend à des innocents, les juifs, hein, pas les bretons, en les accusant d'un problème dont ils ne sont pas à l'origine, on ne résout pas le problème. Pire, pour s'occuper des boucs émissaires, on va utiliser des moyens qu'on ne mettra pas ailleurs. Si cette stratégie arrange le pouvoir en place, car il donne l'illusion d'agir et d'être efficace, s'il permet quelques spoliations et faveurs pour les blancs, ben en fait ça arrange pas tellement les gens. Tout le fric investi pour développer un appareil sécuritaire, il ne va pas dans les hôpitaux, ni le milieu scolaire. Puis on ne peut pas dire que les Allemands se soient sortis grandis de leur période nazie. Ils ont encore la honte pour quelques centaines d'années, et dès que ça parle de gaz, on va continuer à les chambrer. C'est pas pour dire que les Blancs seraient en réalité les premières victimes du racisme, hein, ou que nous serions tous à égalité face au racisme. Loin de moi l'idée de faire des jugements de valeur, comme chacun sait, je veille à rester objectif. Mais le fait est qu'il y a des effets pervers. Les bourgeois eux-mêmes souffrent d'être des bourgeois. Le petit Pierre-Emmanuel de la Roche-Moncu qui veut être plombier, mais ses parents industriels lui disent que non, c'est pour les pauvres. Le pauvre. Il voulait être footballeur, mais non, c'est pour les noirs. Et pauvres. Ben pour les blancs, c'est un peu pareil, il y a des effets pervers au racisme. Une situation sociale privilégiée au détriment des autres n'implique pas forcément d'y trouver un intérêt total et absolu sans aucune contrepartie. Je peux même dire que bon, un régime fasciste qui prend le pouvoir sur des bases de haine raciale, même si je suis blanc, il voudra quand même m'envoyer dans un camp de travail. Et j'aime pas ça le travail. Je suis contre. Autre exemple, les minorités raciales ont pour habitude de servir de cobayes. En général, pour ne pas dire systématiquement, ce que l'on accepte de faire à une minorité, un jour ça sera utilisé sur la gueule de la majorité. Une autorité raciste est une autorité avant d'être raciste. Globalement, on n'était pas trop dérangé de l'usage des flashballs dans les quartiers sensibles, ces zones de non-droit. Mais quand ça s'est mis à viser Jean-Pierre, le gilet jaune, on a commencé à ouvrir les yeux. L'ordre sécuritaire mis en place dans les colonies a servi d'expérimentation pour ensuite être appliqué en métropole, comme l'ordre sécuritaire d'inspiration coloniale dans les quartiers périphériques ne s'est pas gêné pour se retourner sur le prolo blanc, qu'il a vu d'un mauvais œil. On retrouve la même chose lors de la centralisation culturelle sous la Troisième République. À cette époque, les bourgeois pensaient que si on s'était fait botter le cul par les Allemands en 1870, déjà eux, c'était parce que les Français n'étaient pas assez patriotes. Mais bien sûr, on manquait de conviction. Aucun rapport évidemment avec le fait que Napoléon III est un con. Alors paf, grosse vague de nationalisme, vive la France, nos ancêtres les Gaulois, on va se venger et on va bien se faire crever dans les tranchées en 14. Grande réussite, bravo la bourgeoisie. Quoi qu'il en soit, cette époque c'est aussi celle de la répression des régionalismes, notamment les langues locales, qu'il fallait éradiquer pour créer une France unie, n'est-ce pas? Eh ben on a utilisé en métropole les mêmes méthodes de répression culturelle qui étaient alors appliquées pour réprimer les cultures locales dans les colonies. Une répression culturelle qu'ont subi par exemple les Bretons, qui sont des Blancs. Officiellement. En effet, être blanc, finalement, ça n'existe pas vraiment. Les races humaines n'existent pas. Sauf en qualité de construction sociale, ou le vilain gros mot. Par contre, le racisme, lui, il existe, hein. Tout comme l'inexistence présumée de Dieu. Je présume, hein. Si tu existes, ne fais rien. Ah merde. Donc, l'inexistence présumée de Dieu n'implique pas l'inexistence de la religion. L'existence de la religion implique par contre moult façons de définir un ou plusieurs dieux, hein, qu'on va arranger au gré des besoins. Pour le racisme, eh ben, c'est un peu pareil. Le concept de race, on va en faire un petit peu ce qu'on veut, comme ça arrange, parce que c'est un statut social. Genre si t'es cubain en France, on s'en bat les coronets. Mais si t'es cubain aux États-Unis, ah, caramba, encore raté. T'es un latino, t'es pas blanc, pas de bol. Si t'es italien en France dans les années 60, t'es pas blanc non plus.
t'es un voleur. Attention, c'est subtil, hein. Si t'es espagnol en France aujourd'hui, t'es blanc, hein. Tu peux même être au Front National et t'appeler Jordan. Par contre, t'aurais été espagnol en France dans les années 30, on t'aurait mis dans un camp en te traitant de communiste. Et communiste, c'est moins bien que blanc. Ça implique en toute logique que si t'es blanc, ben, ça risque peut-être de pas durer. Et que demain, il y aura des racistes pour dire que non. Non, 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 non. Toi, t'es pas blanc. Toi, t'es breton. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.